Bonjour, Peppa. Bonjour, mais où suis-je? Tu es au paradis, bienvenue! Au paradis? Mais pourquoi? Car tu es morte! Oh non! Et si, c'est la S, hein? Mais ça veut dire que je ne verrai plus jamais mes parents? Eh non, doublement la S, hein? Je suis trop triste, ils vont tellement me manquer. Oh, sèche tes larmes, dis-toi que tu ne manqueras à personne, et surtout pas à tes parents. Ah bon? Oui, tu n'as pas remarqué que depuis quelque temps, ils vous ont mis à l'écart, ton frère et toi? Non. Ils étaient très gentils, je trouve. Vraiment? Tu te souviens de la dernière fois où vous avez joué à cache-cache? Oui, la partie a duré très très longtemps. Ça fait 3 mois qu'on est ici et ils ne nous ont toujours pas trouvés. C'est normal, ils ne vous cherchaient pas. Mais pourquoi? Car ils voulaient être tranquilles. Pour Ken. Ah! Et tu sais pourquoi ils vous emmènent régulièrement chez papy et mamie? Ben, c'est pour jouer avec eux. Non, c'est pour que vous changiez leur couche. Pendant qu'ils tiennent sauvagement dans ton lit. C'est qui le patron? Oh, les cochons! Ton papa a pilonné ta maman un paquet de fois pour lui attendrir la couenne. Et la fois où maman a dit que la machine à laver avait mangé une de mes chaussettes préférées. J'ai écrit une lettre au Père Noël pour avoir la même et j'ai dû la déposer directement dans sa boîte aux lettres. C'est là-bas qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à l'adresse indiquée. On s'est alors dit que le Père Noël n'existait pas et j'ai fini en dépression. George, lui, s'est retenu de faire caca pendant 2 semaines. Mais la chaussette est réapparue comme par magie le 25 décembre. C'était un miracle de Noël. Et George s'est remis à faire caca. Oh, c'était pour de faux, mais ça a donné naissance à une série animée au Japon. Et bon. Peppa Pig. Et la chaussette de Christophe. Peppa Pig. Bref, bienvenue au paradis. Ça va te plaire, tu verras. Vraiment? Oui, se torcher avec un nuage, c'est beaucoup plus drôle que les chiottes japonaises. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, on dirait bien que tu es en train de te réveiller. Bon les gars, désolé, mais le barbecue de ce soir est annulé. Y a plus de cochon. Oh non, un truc dans tout neuf. C'est bon, mon petit Georges, c'est assez profond. Tu peux aller chercher le sac de chaud. Mais... Oh, et merde!